Internotatrice et internotateur, ici Galden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie de notre test de la démo de Norland. Démo qui est limitée à 25 jours. Ici nous sommes arrivons au 13e jour, donc on en est à peu près à la moitié. Et on avait comme ambition d'avoir trois provinces alliées. Et donc si je regarde nos alliés potentiels, on en a deux. On en a deux avec lesquels on est en traité de paix et avec lesquels on s'entend bien. Mais dans un cas comme dans l'autre, il me dit que ma force armée n'est pas assez élevée et que du coup, ils ne me respectent pas assez pour rentrer en alliance. Ils ont tous les deux, je pense que c'est ce symbole-là qui est indiqué. Tiens, je suis devenu anxieux. Donc, ils ont des armées qui sont. Alors, celui-ci a une armée qui est plus grande que la nôtre. Hein. Nous, on a 10 bonshommes, mais une force de 2. On a beaucoup de bonshommes, mais ils ne sont pas très très forts. Et là, ils ont peu de bonshommes, mais ils sont très très forts. Donc, ce que l'on va faire, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. Alors, déjà, je pourrais recruter. Comme j'ai des gens qui ne sont pas occupés, je pourrais recruter 3 soldats de plus. Donc ça, ce serait déjà une bonne chose. Je pourrais en recruter d'autres avec une meilleure puissance, mais il faut quand même que je fasse gaffe un peu à mes sous. Donc ça, c'est fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais construire une salle d'entraînement. Alors, si je ne me trompe pas, mes baraques sont. J'ai quoi? J'ai une seule baraque. 10 sur 10, il va falloir que j'en construise une autre, du coup. Puisque maintenant j'ai plus de. Du coup, je me retrouve avec 13 guerriers, 13 soldats. Donc il me faut une autre baraque. Et il me faut également, du coup, un. Je vais y arriver ici, donc une autre baraque d'une part. Ah zut! Je vais pas avoir assez de bronze. Alors je vais commencer par faire un terrain d'entraînement. Je vais le faire là. Hop. Et puis ensuite seulement, je ferai une autre baraque. Tant pis, il y en a qui dormiront par terre. Il faut que je fasse gaffe. Que j'ai des crimes qui sont effectués. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Où est-ce que j'en suis de mes recherches? Pourquoi est-ce que j'ai un zéro ici? Je sais pas bien. Ah, c'est parce que j'ai pas le livre correspondant, sans doute. Ok. Alors, Gelden a chopé le trait anxieux. C'est pourri. Où est-ce que c'est? Ah. D'accord. Oula, mais il se fait attaquer là? C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? C'est cela là? T-t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 -
Donc il est HS. Non, il... Ah, il est en train de fuir. Je peux pas l'arrêter. Il s'enfuit, c'est tout. C'est naze. Bon. Vadriga, t'es qui toi? Ah oui, t'es l'épouse de Alastre. C'est vrai. C'est vrai que j'avais marié Alastre. Est-ce que j'ai assez de maisons de nobles? Donc il y a Chocho et Mazamara qui dorment encore avec leur mère. Bon, là, j'ai pas, même pas été blessé, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai comme désir fulfilled? C'est bon. Alastre, il a besoin de faire un golo golo dans la case. Alastre est revenu. Ah oui. Donc là, il y a le mariage qui va avoir lieu. Très bien. Allez, on avance. Donc j'ai un nouveau noble, enfin une nouvelle noble du coup. J'ai plus qu'un seul titre de seigneur, oui d'accord. Je peux en avoir 5 maximum. Très bien. Donc, ils sont tous ici, mais je manque de place. Parce que j'ai beaucoup trop de gens. Est-ce que je peux me faire un autre temple? Je pense pas. Bah, il me faut plein de bois. J'en ai pas assez. Là, il y a des malades. Ah, Malicia et Vadriga. Alors, elle veut faire des... Elle veut des anneaux. Pourquoi est-ce qu'ici j'ai pas de... La taverne, c'est carrément une priorité. Normalement, j'ai assez de gens. Pourquoi est-ce qu'il me dit que j'ai pas assez de gens? Je ne sais pas. Donc, toi, bah, on va te... Tac. Il faudrait que je te donne... Comment est-ce que je peux te donner des anneaux déjà? Loyauté, waouh. Ah, il faut lui faire reward. Je vais lui faire un petit reward. Qu'est-ce qui est une priorité? Ça, c'est une priorité. Le Hope Field. Qu'est-ce que j'ai en moult? Ouais, j'ai besoin de rutabaga. Là, j'ai pas reçu d'instruction. Toi, c'est quoi tes stats du coup? Je me souviens plus. 4 en management, c'est pas terrible. Hein. En comparaison, là j'ai 6, là j'ai 8, et là j'ai 3. Ok. Là, je construis d'autres maisons. Ok. Par contre, je pourrais te mettre typiquement ici. Ah oui, c'est que j'ai des malades, donc du coup. Ok. Donc, par dégâts, va bien s'entendre. Elle va séduire. Non. Alors, il faudrait qu'elle ait une conversation. Passer du temps avec Alastre. Ouais. Elle va aller passer du temps avec Alastre.
Lumbermill Upgrade. Alors, je peux améliorer mon Lumbermill. C'est quoi déjà? Ah oui, merde. Ah, c'est ça. Ah, c'est top ça. Pour avoir plus de bois, bon. Ceci dit, j'en récolte quand même déjà pas mal du bois. Alors, que s'est-il passé? Donc, ça, je m'en fiche. Request for assistance. Mon traité de paix arrive à sa fin. Ok. D'accord. Donc on n'est plus en traité de paix, mais on est toujours alliés. C'est hyper logique. Donc, qui est-ce qui demande de l'aide? D'accord, donc c'est encore Tanya qui se fait attaquer par Goldshire, enfin Moonring qui se fait attaquer par Goldshire. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai surtout des... Ça, c'est pas terrible. J'ai 6... 6 criminels maintenant. Ça, c'est pas cool. Et alors ici, ok, donc Bright Veil, Neutralization Order, qu'est-ce qu'il veut? Non, mais Moonrim, même si c'est pas top, bon, il faut que je refasse une paix avec eux. Ah putain, il me faut 200 thunes. Okay. Je regarde la puissance à chaque fois, mais on va essayer d'entraîner nos gens. Bon. Donc ça, clairement, je vais pas le faire. Ah non. Le conflit, c'est Pereslav, c'est qui? C'est là. Ah oui, d'accord, c'est entre ces deux. Entre ces deux-là. Bon, là, je m'en fous. Cela, je m'en fous. Ouais, par contre, tête de mort, quoi. Donc je pourrais. Ah oui, d'accord. Il faut impérativement que j'aille aider. Ok, et eh ben allons-y. Donc du coup, il va falloir que je fasse mon armée. Est-ce que les consignes ont été données partout? Pas exactement. En particulier là, il semblerait que... À l'astre. Ah oui, Rutabaga Field. Hop, va donner tes consignes, s'il te plaît, à l'astre. Et puis ensuite, bah, je vais faire une armée. Et il me faudrait de quoi faire un gibet. Ok. Donc, est-ce que toi, t'as passé du temps avec ton monsieur? Ah, alors t'es impie. Est-ce que je peux séduire? Pas encore, non. Alors, ça, c'est déjà fait. Je peux les faire aller chasser ensemble.
peux les faire aller chasser ensemble. L'objectif, quand même, c'est qu'ils s'entendent bien pour que Alastre n'aille pas s'occuper de Malicia. Quand même. Hein. Donc, je vais leur faire faire ça. Et ensuite. Ah oui, voilà. Donc là, il faut que je mette Vadgera. Vadgera, ça me plaît pas comme nom. Être nommé. Comment est-ce que je vais être renommé? Je pourrais. Akatsukut. Akat. Ou. Quet. Ah zut, j'ai pas assez de caractère. Akat. Ce sera juste Akat. Hop. Donc. Allez, Akat et Alastre, vous allez chasser le loup. Où est-ce que vous avez vu un loup? Le signe a réconforté Mazamara. Hop. Là, il y a un loup. C'est parti. Voilà. Eh bien. Nickel. Alors, le loup est mort. Alastre. Hop. Bon, ça augmente. Hop. Donc, armée. Faisons une armée qui sera menée par bah, Akats, du coup. Et tu vas aller chasser. Hop. Comme ça, j'entraînerai tout le monde. Ouh, j'ai très peu d'armes. J'ai très peu d'armes. Donc, on va peut-être pas. Peut-être prendre quand même les meilleurs seulement. Ouais, ça, c'est pour ça aussi peut-être que j'ai une armée qui est pas assez puissante, c'est que j'ai pas assez d'armes. Ok. Donc, Akat va récupérer son armée. Et. Ah zut, ils sont allés. Ils s'en sont occupés déjà. Bon. Ok. On oublie. On oublie. Comment est-ce qu'on fait? Disband. Alors, la Horde impie a détruit une autre. Famille noble, maison noble. Ça progresse. Oui. Toi, tu vas, s'il te plaît, du coup, à 4, tu vas aller donner tes ordres. Ah non, le mariage commence. Le mariage de Akatsuki. Akatsuquette avec Alastre. Aimez-vous les uns les autres. Chocho qui est des. Qui vomit partout, c'est bien. Alors, un seigneur en plus. Non merci. Alors, le marchand. Non, ça c'est le. Il est où le trader? Il est là. Top. Gelden.
Alors, ouf, j'ai pas assez. Faut que je revende. Il faut que je revende. Je vais pouvoir revendre ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour ne pas saturer toujours. Ça, je vais en vendre aussi. Je produis ce qu'il faut. Du bois. Je vais en vendre un peu. J'en récupère pas mal quand même. Donc là, c'est lui qui me donne des sous et je vais récupérer des armes en plus du coup. Et ça coûte une blinde. Plutôt des lances. Je vais récupérer un autre arc. Un bouclier. Non, je vais essayer quand même de garder des sous. Allez, ça me fait ouais 4 armes en plus, ça le fait. Ah, j'ai amélioré ma compétence de commerce. Alors, Economic Report. Ouais, donc j'ai plus de rutabaga, c'est pas cool. Mais je suis passé au-dessus des 200. Oula, qu'est-ce qui se passe là encore? Ah, j'ai mes gardes qui se battent. Et j'ai perdu un garde. En fait, je sais pas pourquoi il s'énerve, c'est un peu agaçant. Bon, j'ai perdu un garde et... Ah, alors ça fight encore. Une flame wound. Ouais, j'ai plus de trucs de soins. Ouais, c'est une grosse baston. J'ai perdu encore un garde. Ouais. Bon, c'est bien, ça les entraîne, hein, mais... Ok, bah deux gardes en moins et... Deux criminels en moins. Ok. La nuit a été agitée. Pas de nouveau candidat, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Oula, Malicia et Akkad se détestent. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux écrire un livre. D'accord. Tu pourrais écrire un livre sur... Sur quoi? Est-ce que j'ai de quoi écrire un livre? 3. Est-ce que j'ai trop. Oui, j'en ai juste 3. Ça m'a même un peu les dépenser tous pour ça, mais. Mais bon. Akkad Gelden Inspiration. Good Mood. Ok. Alors là, il va falloir remettre de. Rebrûler du bois. Malicia est en train de... Oula, ouais, d'accord. Je sens que ça va mal se terminer entre elles deux. Ça va mal se terminer. Deux, vous allez passer du temps ensemble. Hop.
Vous deux, vous allez passer du temps ensemble. Non, 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 mauvais. Hop, spend time, c'est avec A4 que tu vas faire. Ok. Ah, je n'ai plus la protection de la Loving Family. Ok. Qu'est-ce qui est... C'est Alastre qui doit aller donner ses consignes ensuite. Ok, donc là il s'entraîne. Très bien. Peace has been established. Donc les traités de paix entre qui et qui? Ah, avec eux. Put. Bon, ça c'est un peu naze. Est-ce que mon armée est un peu meilleure? Pas du tout. Non, je suis toujours qu'à deux. Là, je veux bien, mais... Moi, je veux bien les aider, mais... S'il faut... Bon, je vais le faire. Je vais le faire du coup. Où est-ce que tu en es du coup? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien de particulier du coup. Donc, bah, on va refaire une armée. Donc toujours avec A4. Hop. Voilà, j'ai juste de quoi équiper tout le monde. Ah, mais du coup, j'ai perdu deux lances. Oh, fait chier. Et donc, hop. Une request for... Unlocal mat, la squad A4. Send. Ok. Donc normalement... Hop. A4 a très faim. C'est pas cool. C'est, je trouve, un peu dur de savoir ce qu'il faut faire dans ce jeu. Parce qu'il y a, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Merde, j'ai pas fait. Oh non, c'est pas vrai. Je lui ai pas dit de faire de la farine. Quel con. Quel con. Ça, typiquement, c'est quand même vraiment con. Alors, j'ai des bandits. Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont les bandits? Je vois pas de bandits, moi. Bad news. Ok. D'accord. Bah, ok. Où es-tu, A4? Très bien. Alors, initialise. Cutting trees. Ah ouais. D'accord. Donc, si on coupe trop d'arbres, ça va diminuer la fertilité du sol. Non, 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 merde. Oh la vache. Ok.
Malicia et Alastre sont en train de faire cracac. D'accord, donc il faut faire gaffe de pas trop couper d'arbres. Statistique, menu. Statistique. D'accord, j'ai coupé 20% de la forêt. Bon. Ah oui, dans les choses que je devais faire, je devais également. Non, c'est pas ça. Parjure! Je devais faire une autre baraque. Hop, armée, baraque. Tac. Et puis, je vais faire quand même des patrouilles de nuit, hein. Hop. Parce qu'on a vu que. Bah oui. Infidélité du mari. Bravo. Alors, toc et tom. Ok. 3 jours. Oh. Ah non, ou jusqu'à la prochaine bataille. Oh la vache, ça veut dire que pendant 3 jours, j'ai pas de garde. C'est la merde. Bon, il va falloir aller vous confesser, les gars. Ah, 6 anneaux. Bah ouais, plein de non-employés. Red Mists. The enemy's plotting. Wow, merde. Ça craint. Ça craint. Oh, c'est nimp. Ces nimpes, ils y sont. Attends, mais pourquoi est-ce qu'elle est repartie, elle? C'est quoi ce bordel? Attends, là, il y a un problème. Je vais recharger, je vais voir ce qui se passe. C'est pas normal. Je mets en pause, Bon, on reprend. J'avais une sauvegarde auto qui s'était faite peu de temps avant. Donc on va voir ce qui se passe. Je comprends pas bien. Bon, ils refont crac-crac, décidément. J'ai plein de gens qui travaillent pas, c'est naze. Ok. Pourquoi est-ce que tu repars tout de suite? Je souhaite que tu restes. Je comprends pas pourquoi elle repart. Bon. Et c'est reparti. Malicia share the secret with Garden.
Malicia et Kat, oui, se détestent, ça je sais. Mouais, je comprends pas. Bon, allez, on attaque. Ah. Non, non. La vie, tu restes. Alors, c'est quoi mon economic report? Ouais, bah oui, forcément, il n'y a pas de... Allez, on attaque les bandits là. Bon, si vous avez une explication ou un moyen de me faire comprendre, de lui faire comprendre qu'elle est censée rester, je suis pas contre. Parce que c'est un peu chiant en fait, hein. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle reste pas? Je ne comprends pas. Là, j'imagine que les brigands s'en prennent à... s'en font à cœur joie. On est reparti. Tac, tac. Bon, je vais arrêter l'épisode là. Si vous pouvez m'indiquer... une méthode pour faire en sorte que Akkad veuille bien rester à Moonrealm. Je suis pas contre parce que je comprends pas ce qu'il se passe. Voilà. J'espère tout de même que cet épisode vous aura plu. Je vous fais bien des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.